Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez, Vidéo Express, ça faisait longtemps, tiens, voilà, je vous montre un peu le coin Akihabara, donc c'est dans une petite galerie comme ça en face d'un McDonald's, donc si vous venez sur Tokyo à Akihabara, je vous invite à venir voir les prochaines sorties et les figurines mises en avant par Tamashination, et comme vous pouvez voir ici, on a un coin Dragon Ball bien sympathique avec de la C18, ma foi, superbe, bien classe, du Vegeta, on connaît tout ça. Ici une figure Arts 0 de Gotenks en Super Saiyajin 3, mais tout ça c'est du déjà vu, hein, donc c'est vraiment pour exhiber un peu les prototypes, non pas les prototypes, les produits pardon, qui sont parus dans nos rayons, et puis le Broly SH Figure Arts, bref, bien sympa. On continue vers là-bas, alors il y a quoi? Il y a toute une galerie, une bonne grosse galerie, hop là, de ce côté-ci, et comme vous pouvez voir ici, on a la Gogeta Figure Arts 0. Ici, la Végéto, ma foi. Je vous en fais une preview, tiens, ça je vais le faire à part. Ici avec de la SH Figure Arts Yamcha qui paraîtra en novembre. Écoutez, ma foi, sympathique. Et puis mise en avant de ce côté-ci, on a une Végéta qui est sortie il y a peu, comme vous pouvez le voir, le 21 juillet 2017 au Japon. Une SH Figure Arts bien sympa. Donc voilà, petite vidéo express, les amis. Encore une fois, je vous invite à venir au Akiba Showroom, qui est vraiment méga cool. Et ici, vous avez en anglais, voilà, un petit manuel, un petit truc pour vous expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Bref, bien sympa. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan YouTube, vous êtes au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, 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 ciao.